Alléluia. Je suis tellement heureux pendant cette matinée. Je suis joyeux au-dedans de mon cœur. Mais je voudrais vous parler quelque chose ce matin. On l'a toujours attendu. On n'a toujours pas parlé de ça. Mais j'étais tourmenté le matin. J'ai posé même la question à mon épouse le matin avant que ça aille au niveau de Pégerville. Je posais la question à mon épouse, est-ce que au niveau de l'Église, est-ce que nous nous aimons? Est-ce qu'il y a l'amour dedans de nos cœurs? J'étais un peu troublé au début de penser et le Saint-Esprit m'a compris. J'avais parlé beaucoup, j'ai eu le temps de. J'ai reçu le fondement du cœur. Les servantes de Dieu sont venues passer leur veillée de mon plaisir. Maman m'a parlé encore de reparler sur le fondement du cœur. Je crains d'abord que la joie que nous exprimons au devant de notre Père soit le et qui était tellement heureux dans le ciel avec une grande maison. Et autour, il y avait des fleurs. Mais ces fleurs adoraient Jésus-Christ. Amen. Le arbre et la forêt, tout ce qui existe, adore Dieu. Et le matin, quand le Seigneur m'a parlé de l'amour, je disais, Seigneur, si le arbre commence par adorer le Seigneur, le fleur adore le Seigneur, tout ce qui existe, tout ce qui est l'esprit adore le Seigneur. Mais nous, je ne veux pas, moi, la seule chose que je te demande, je ne veux pas rater le ciel. Alléluia. Je ne veux pas rater mon lit, la parole de Dieu ce matin. Je comprends, si tu n'as pas de vrai amour, l'amour véritable dans ton cœur aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'aide à enlever les gangrènes qui fait obstacle à un vrai amour, l'amour ne se parviendra du jugement de la vie. Amen. Amen. Prenons le livre de 1 Jean 4. 4, verset 11 au verset 17. Un Jean chapitre 4, du verset 11 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous à ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons. Et nous avons dans l'amour demeure à Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Alléluia. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bienvenue dans le Seigneur. Comment j'ai pu m'exprimer ce matin. Il n'y a rien qui triomphe dans ce monde. L'amour de Dieu.
Dieu triomphe en son nom. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Alors on nous dit que celui que nous ressemblons, celui qui a demandé de nous créer à sa ressemblance, son nom s'appelle amour. Il s'appelle amour. C'est pourquoi la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors, on dit celui qui aime, l'amour, Dieu demeure en lui, et lui est en Dieu. Peuple de Dieu, le petit message que je vous donne ce matin, c'est pour vous supplier. Je vous en supplie. 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 Le fondement de notre cœur, la réussite de l'élu de l'éternel, disposons de l'amour. Amen. D'autres peuvent me juger, d'autres peuvent me voir. Mettez en tête ce matin. Je déteste personne. Amen. Mes réactions sont rigoureuses. Quand je te vois en train de se perdre, quand tu es en train de s'accoucher à quelque chose qui te détruise, tu vas croire comme si je suis contre toi. Non, je ne suis pas contre toi. Parce que je ne supporte pas dans mon cœur. Quand je vois une personne dont le cœur est en train d'être et se tordre, la déviation dans ses pensées, la réaction de sa vie, je veux à tout prix, mon seul souci, que le cœur de la personne me revienne à Dieu. Je vous ai toujours dit, à un moment donné, et mon esprit ne ment pas, et ma manière de voir les choses, ça ne ment pas. Si tu constates, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon père. Le monde passe. Tout ce que sont en train de vivre ne va disparaître. Il n'y a rien que tu as porté là. Il n'y a rien qui t'accompagnera vers le ciel. Tout ce qui est, tout ce qui peut faire, l'objet, c'est ta préoccupation et tout le bien. Je ne pense pas que les gens prient. Seigneur, qu'est-ce que moi je vais avoir? Je ne crois pas. Alléluia. Je ne crois pas que les gens font des prières. Seigneur, remplis mon cœur de lui. S'il s'agit de ma recherche, que l'amour apporte dans mon cœur. Le Saint-Esprit est capable de te combler, de remplir mon cœur. Ça, tu feras le plein de moi si tu t'exprimes de ton cœur. Papa, j'ai besoin que tu me comptes en moi. Que Dieu n'est pas celui, il n'a pas, ce n'est pas qu'il a l'amour, on peut l'enlever. En lui-même, ça fait l'amour. Au lieu de tel qu'il est, c'est ce que toi tu es. Mais pourquoi nous manquons d'amour dans nos cœurs? Alors cet amour-là, que je suis en train de parler pendant cette matinée, il y a beaucoup de choses. Les stratégies que Dieu a mis en place, c'est pour toi. L'amour et tu deviens déjà sans lui. Et sans cet amour-là, tu n'iras pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas au ciel. Le livre. Pourquoi je parle de toutes ces choses-là? Parce qu'il y a la gangrène que le diable est en train de déposer. Il y a la pensée de l'ivorité, il y a la pensée de l'autochtone, il y a la pensée de sexy. Mais ça ouvre ton cœur et ça t'enlève dans la présence du Seigneur. Or que Dieu dit, même ton ennemi, aime-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis
te fait du bien. Prie pour ton ennemi. Prie pour tout ce qui te fait du mal. Mon Dieu, Seigneur, que l'autel change. Parce que je sais, si la gangrène de ton cœur s'enlève, que l'amour fait sa sève, Dieu s'assène en toi. Et tu ne chercheras pas quoi que ce soit. Parce que celui qui est en toi, obéira et pondera ton cœur, c'est que ton cœur désire. Alléluia. Quand le cœur désire, parce que le cœur l'a aimé. Si le cœur n'a pas d'amour, ne désire rien, parce que Christ est le Seigneur. Le poids du diable, l'esclave de Satan, l'esclave de la sorcellerie, l'esclave de la publicité, de quoi que ce soit, il ne dit pas de question. Malgré la souffrance, moi Jésus, j'accepte de mourir. Alors quand tu montais pour mourir, il se souvenait, non pas pour lui-même, mais pour toi et pour moi. Alors s'il a subi ça, mais toi aussi, qu'en fais-tu? Nous demeurons en lui et qui demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné de son esprit. Peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vie, faut prier pour des boulots. Faut réveiller. Il ne faut pas donner pour nous pardonner. Deux ans et puis pour des gens rapidement. Deux hommes et des gens.